Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit truc que je me suis donné quand j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe pour mes enfants. Il arrive des moments où est-ce que, quand ils sont en train de jouer particulièrement au Lego, où est-ce que mes deux enfants arrivent puis ils se chicanent pour des morceaux. Puis j'avais de la misère à connecter à ça puis à trouver une façon d'avoir de l'empathie pour qu'est-ce qui était en train de se passer. J'avais vraiment envie de leur dire, ben voyons, il y en a plein, réussissez à partager, vous êtes capables, il y a plein de morceaux pareils, tout est correct, trouvez une façon de vous organiser. Puis je prenais pas vraiment le temps de les écouter. Fait que j'ai essayé de ramener ça à une situation à moi, de quoi ça aurait l'air si moi je m'installais un après-midi avec tous mes livres pour développer un atelier, avec mon ordinateur, mes crayons, mes notes, mes affaires. J'ai plein de choses autour de moi, puis quelqu'un arriverait, ferait comme, hey, t'en as plein. Fait que je vais prendre celui-là, vu que t'en as pas vraiment besoin, puis t'en as d'autres des pareils. Puis, si je me dis ça, je me sens vraiment, vraiment irritée puis frustrée par cette situation-là, puis j'ai pas envie de partager mes choses. Fait que quand je me rappelle ça, puis que je le ramène à une situation qui me ressemble dans mon quotidien, là, je peux retourner les voir puis faire comme, ah, OK, fait qu'en fait, t'avais un plan, là. Toi, quand t'as mis cette grosse plaque-là, puis tous ces morceaux-là autour, t'avais toute ton idée, ton plan dans ta tête. Puis là, que l'autre arrive, même s'il y en a d'autres morceaux, ça défait tout ton petit setup de jeu. Puis ça défait ton plan, puis c'est frustrant. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. OK. Fait que là, ça me donne juste une perspective quand je ramène à moi, puis je me trouve un exemple dans ma vie d'adulte. Comme, ah, OK, ça ressemble à ça dans son corps d'enfant. Puis j'arrive à avoir plus d'écoute, plus d'empathie pour mes enfants.